Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous montrer ce kit de tournevis sorte que j'ai reçu. Donc ça va du T8 au T40, ils sont aimantés. Bon, je les ai mis dans la boîte pour le déballage, hein, parce que je les ai déjà testés, hein, pour voir ce que ça valait. Donc moi je les ai utilisés aussi bien pour la mécanique que la menuiserie aluminium. Parce qu'on a on a beaucoup de torques et souvent bah, on utilise le T8, le T10, 15, 20 et 25. Et des fois le 30, mais rarement, pour les pommelles. Donc voilà comment se constitue le coffret. Donc les outils sont assez jolis, hein. Après on s'en fout l'esthétique. Bon, moi perso l'esthétique c'est pas mon premier point, c'est l'utilité. Donc écoutez, donc moi j'ai déjà tous utilisés. L'avantage c'est qu'ils sont ils sont percés. Donc pour forcer, vous pouvez simplement mettre un tournevis dedans et forcer dessus. Donc je vois nous pour mettre les pommelles sur les châssis en aluminium, ça va vraiment très bien pour y faire. Et pour la mécanique, j'ai pas encore eu trop l'utilisation. Moi, j'en ai pas trop eu l'utilité encore. Sinon, les tout petits bah, sont très pratiques parce que moi j'ai démonté un téléphone portable avec. Donc, ouais, il y a vraiment toutes les tailles. Hein. Donc, j'ai eu aucun problème. Comme je vous disais, bah, ils sont tous un peu aimantés. Donc, c'est pas mal non plus. C'est assez pratique. Donc, voilà. Dans l'ensemble, je suis assez satisfait de ce kit de tournevis assez complet. On a une super bonne prise en main avec. Ça, il n'y a vraiment pas de soucis. Ils tiennent bien dans la main, on peut bien forcer dessus. Ils sont bien costauds, j'en ai aucun qui a pété encore. Donc là, ça va faire 3 semaines que je les utilise régulièrement. Donc pour l'instant, j'ai eu aucune surprise. Je suis vraiment très satisfait. Le seul truc que j'aurais à dire, si je devais critiquer un truc, bah, c'est que tout simplement, il n'y a pas de boîte. C'est fourni dans un carton comme ça. J'aurais bien aimé un petit emballage pour les mettre dedans, pour les ranger pratiquement. Parce que là, moi perso, bah là, comme je vous ai dit, je les ai mis dans la boîte pour les vidéos, mais moi dans ma caisse, ils sont tous en vrac. Donc voilà. Sinon, bah, j'avais rien d'autre spécial à dire dessus, à part que si, ils sont percés. Donc voilà. Moi, j'en ai pas eu l'utilité pour ce que j'ai. Mais après, je sais qu'il y a des vis avec des tétons qui ressortent. Voilà. Allez, au revoir.